Eh bien bonjour à Des tous, sbires sont apparus. j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite game de LOL avec Lux, Lux Support. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas joué Lux Support. Donc qu'est-ce qu'il y a en face? On va se taper Sona, Jinx, un heal, une embrase, comme chez nous. On est plus une compo. Ouais. Faut voir, ça va être assez chaud. Ça va être assez chaud. Bon, je vais jouer AP pour pouvoir mettre de lourds dégâts à la team adverse. Je vais prendre beaucoup de réduction de délai pour mettre mon ulti toutes les 20 secondes pour dépush facilement. Ça va être bien. On va maxer le E. Le Z après. Le Z et le A. Donc voilà. On va essayer de jouer safe là parce que l'Orly on n'est pas tip top. On peut y arriver. Merde. Je lui pique un creep. J'adore qu'un plan se déroule sans votre. Tendu. Est-ce que j'ai... Oh non, j'ai pas pris mes maîtrises support. Tant pis. Voilà, on va prendre le Z. En cas où s'il y a une petite agression. Non, ça ne touche pas. First blood au top. C'est pas mal. Flash in malheureusement. Bon, c'est quand même hors site vu que c'est... ouais, mais d'un côté le Xing Zhao peut snowball dans la game, donc c'est moyen, mais ça reste quand même c'est hors site parce qu'on a le First Blood. Pour l'instant je joue assez safe hein. Je suis même pas level 3, merde. Ok, le flash out. On va claquer la potion. On va mettre la ward. Putain, j'aurais dû le faire avant. Voilà, petite agression. Un vrai méchant. Le problème c'est que je push la lane. Non, là ça va encore. On va attendre que le mana se regène parce qu'on a peu de mana, c'est un peu la galère. On s'approche pas trop parce que quand même une noix. Enfin, il peut y avoir le jungler qui arrive. Puis une ward dans ce bush. Donc ah ouais. Voilà, ça c'est bien joué. Petite agression, voilà. GG. Par contre au top, c'est faire reganker. Bon, pour l'instant c'est assez tendu. On max le E. Et après ça sera le Z, comme je l'ai dit. On peut back tranquillement. Bon, je sais même pas claquer de heal ni de flash. Donc ça va. Bon, ça va, c'est pas fait agresser. On va partir sur ceci. On va acheter une ward comme ça. Oh, putain, trop de potions. Voilà. Donc voilà. Je vais mettre la ward ici là. En fait, il y a plusieurs positions qui est pas mal comme ward là, ici et bien dans le coin là, ça se voit pas trop. C'est bon, après il y a d'autres endroits là aussi. Bref, c'est assez pas mal hein, la balise de vision. On a pris un peu cher.
Aussi on peut la mettre là. Mais bon. Merde. Faut pas oublier d'appuyer sur S pour pas taper les creeps. Ou sur il y a une autre touche là pour pas attaquer, j'ai oublié c'est laquelle. Non. 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 H, voilà c'est H. Voilà, il y a aussi ça pour attaquer. Pour attaquer le mec le plus près. C'est la touche Q. Merde. J'ai la cite en plus. Putain, quelques petits freeze là, c'est quoi ce bordel? Faut que je poke un peu parce que là j'ai quand même mon item. Oh, oh les dégâts. Ouais parce que là je gagne des PO quand j'arrasse. Je vais aller poser la ward. Voilà, on va poser la ward ici. Voilà, bon, SS. Je vais mettre un petit... Oh, ça va. Bon, ça va. Ils ont back. En tout cas, ils font pas le Drake, puisque j'ai la vision sur le Drake. On va push. Quel est level 6? Ça va nous faciliter un peu la tâche. Attention, au top, c'est bon. Là, on perd un petit peu de farm. On va continuer sur notre lancée. Je vais prendre un peu de régénération de mana. Il n'y a pas de mid malheureusement. Pas pouvoir faire grand chose. Peut-être ward le raid. Bon, toi t'es un peu mort. Bon, 4-3 au farm. Pas le temps de voir. En tout cas le bot s'est équilibré. Donc là j'ai mon ulti, je vais pouvoir faire mon combo. Et burst le mec. Tout fail. Oh sorry. Voilà, heureusement il est mort. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard! En fait j'ai failli mon combo, du coup c'est mal passé quoi. J'ai tout foutu dans sa gueule, mais il a pas pris de dégâts parce que mon ulti je l'ai mis à côté comme un con. A plus refaire. Bon là c'est bien parce qu'ils vont perdre des creeps donc du coup c'est worth it. Toujours équitable, 7-6. Bon, ça s'est tendu. Putain, j'ai fail, mais... Oh, petite erreur de connexion. C'est bon, j'y vais. Oh non. Oh, please. Putain, ça c'est pas sympa. Aïe 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 aïe.
Putain, my bad quoi. Putain, j'aurais été là. Malheureusement, je pouvais rien faire. Profitons pour push. Boto c'est bien. Kogmo il push c'est bien. Voilà, je mets une petite attaque pour son passive. Bon voilà, ça reste assez worth it. Oh le bâtard. Bon, c'est assez worth it. 11-9. Malheureusement mon outil j'ai encore foiré. Enfin non, le mec est mort avant. On va dire ça comme ça. Alors lui il va se faire défoncer parce que il va plus vite Darius. Votre équipe a détruit une tourelle. Bon, on a détruit la tour, ça nous fait masse gold. Je vais aller checker le Drake. Même si je sais qu'il n'y est plus. Ouais, il va checker, c'est bien. Voilà. Puis petit aide. On va aller au mid. On va mettre un peu de poke. Putain. Oh, les shit. Oh putain! Oh my god! Je dis oh my way, mais je veux dire oh my god. My gosh. Oh my god. J'ai failli crever en fait. Bon, pour l'instant ça va. 0-3. Mais 5 assists. Putain, j'ai servi à rien avec l'ulti là. J'ai mis aucun ulti en fait. Tous morts avant. C'est vrai qu'il y a... Ouais, putain, ça y a masse dégâts chez nous. On peut y arriver. Bon, heureusement que ça se passe bien parce qu'ils ont quand même une votre bonne team en face. Une par contre, Onek se fait défoncer en 1v1 contre Darius, donc ça c'est moyen. Bon, ok, donc oh farm, oh putain, il est devant Jinx. On va aller voir parce que là c'est voilà. Faut pas oublier le slow en fait. Je vais attendre là. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, je mets tout. Malheureusement, il se fait def. On peut y arriver. Bon, tant pis. Oh. Bon, pour l'instant ça va. Je fais la pas. On va dire ça. Sinon, comme je fais 0 kill, je veux plus trop de gold. Hein. Il me tue, mais ça rapporte pas masse gold là maintenant. À partir de maintenant. Alors on va prendre ça, je pense, pour la réduction de cooldown. Pour le mana aussi. Parce que c'est vrai que c'est bien. Oh, support, faut... si vous faites 0 kill dans la partie, c'est bien. Bon, évidemment, si vous avez un kill devant vous, vous le prenez. Mais... Bon, là, on commence à se regrouper. C'est bon.
Maintenant je max le Z pour le bouclier. J'ai touché personne je crois. Ah quand même 60 secondes encore. 15%. Bon maintenant je peux spam un peu mes sorts vu que j'ai assez de regen mana. Ouf. Voilà petit poke. Faire gaffe à l'engage de Sona. Ça touche personne malheureusement. What? Ça c'est quoi ces dégâts? Ah oh merde, j'ai pris un kill. Doublé. Putain, j'ai tout fail, mais bon. Ça s'est pas mal passé. On va dire ça. J'ai même pas activé mon slow. Mais bon, ça s'est bien passé. Malheureusement, mon ulti, j'ai pas encore mis. Enfin, ça touchait personne. Voilà, petite arras sans prendre de dégâts. C'est plutôt pas mal. On va back, on va acheter ça. C'est assez. Voilà le poke. Donc très important quand vous voyez que Xingzhao arrive avec ses bottes de mobilité. On lui met une petite auto-attaque. Comme ça, le mec il... Voilà, il est vachement ralenti. Donc là je vais avoir masse mana parce que j'aurai masse assist et du coup j'aurai masse mana. Parce que vous rendez 12% de votre mana quand vous tuez un champion quand vous avez l'assist. Donc en gros c'est pas mal avec Lux puisque l'ulti ça permet d'avoir beaucoup d'assist. Il y a le Drake Carry Pop, on va aller le voir. Donc j'ai pas pris d'item à Ward parce que je vais jouer un peu dégâts. Donc. Donc voilà, on va voir si le raid est là. Malheureusement, il n'y a pas de raid. Pas mal passé même si on a perdu le petit Kog'Maw. Bon, j'ai pris le kill, my bad. Non putain, mon bouclier, il a flash out en fait. Oh putain. Trop de concentration. Bon, maintenant que j'ai pris les kills en fait, on n'a plus intérêt à mourir. Bon, voilà. Pourtant je fais pas... Ah j'ai quand même 160 d'AD en fait. Parce que là, comme j'ai pris les kills, quand ils me tuent, ils vont gagner 300 gold. Tandis que quand je suis en kill spree, ou dead spree, quand en gros je meurs souvent, d'affilée, sans faire de kill, bah vous allez valoir pas beaucoup de gold quoi. Donc là, faut plus que je meure.
Je vais peut-être faire le Zonia maintenant ou le Rabadon maintenant, je sais pas. Donc là, 35% de réduction de délai. Ulti en... combien de secondes? 42 secondes. Bon, j'hésitais à faire mon ulti mais non. Spotted. C'est assez marrant. Décision lumineuse. Voilà, l'ulti 30 secondes, ça coûte rien du tout. C'est une balise de vision. On va les def. C'est bon, j'y vais. Malheureusement, ma ward a été détruite là tout à l'heure. Enfin, en early. Bah, on va aller push cette lane. Voilà comment on push. Il y a les collègues ici, on va y aller. On va poser une orade là pour être safe. Ah, j'aurais peut-être pu la poser là. On va push parce que là il y a tout le monde au mid et que là voilà. Please. Oh sa mère! Putain de Sona! Sona fait masse de gars. Bon, elle m'a pas tué, c'est Jinx qui m'a tué. Putain, j'ai cru que Evelyn allait mourir, mais bon. Elle est pas morte. Bon, ça c'est chaud pour eux par contre. Parce que là, clairement, ils sont... sont un peu votre équipe a détruit une tourelle au fond, on va dire ça. Donc là l'écart s'agrandit. Je rage, ok, je rage parce que je suis mort là. J'ai fait un doublé je crois, c'est ça. Ah ouais, si j'avais eu Zonia j'aurais pu ne pas mourir. Donc Evelyn 6-0, pas mal. On peut y arriver. On va dépush le top. Vous voyez qu'en étant support, on fait le ramasse-mètre des sbires. Donc c'est pas mal. Ok, j'ai loupé à moitié. Restez positif. Dégage. Voilà, c'est parti, on va le mid, on va aider les collègues. Attention, attention, attention. Pas que Kokomo meurt, là, il y a Fizz qui arrive. Fizz qui arrive, attention. Fizz, il y a du bac alors. Ah, il y a le bleu. Ah, il y a le bleu. J'adore qu'un plan se déroule sans défaut. Un ennemi a été tué. Oh bitch, please. Un allié a été tué. Décision lumineuse. Légendaire. Bon, pire, j'avais l'ulti dans 20 secondes, donc voilà. Attention là. C'est bon. J'aurais pas. Un petit Drake. Ils sont partis au Drake, j'en suis sûr là, c'est sûr.
Ouais, 3. Non, 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 non. Bon, un petit Drake, je vais me mettre devant pour l'ulti. Non, c'est bon. Ah, la salope. La salope. On va back. Je vais acheter Rabadon. Darius, attention, il est là. Quelque part par là. Donc voilà, pour l'instant on est pas trop mal dans la game. C'est une ranked hein. C'est pas le moment de mourir en fait. Bon, ça va. Moi je vous conseille de back. Back. Oh là là. Oh la Zizou! Ouah, les dégâts de la tour s'il te plaît. Oh. Je vais des push là. Les sbires ils sont là. Ils vont arriver là. Je vais attendre là. Ou si je mets mon ulti. Un peu trop tôt. Voilà, on récupère du farm, le def là, donc là j'ai clean une vague. Oh. Faut faire gaffe quand même parce que là il peut surgir de nulle part. Je vais remettre mon ulti. Restez positif. Pour type push une lane encore. Voilà. Donc là ça dépêche la lane. En même temps ça me fait 14 de farm. On va prendre moi je conseillerais de l'armure. Je vais prendre de l'armure. Je voulais prendre celui-là. Non celui-là. Non. Ouais, c'est celui-là mais j'ai pas assez. Tant pis, on va aller aider les collègues. Mes coéquipiers. Fait de kill. Oh j'ai 17 assists. Ouais, en même temps ils ont un gadget alors que j'arrivais. C'est Renekton et le mec il dive à chaque fois. C'est marrant. Aou. Mais bon. Faire plus gaffe. Quand j'aurai mon Zonia, ça ira mieux. Donc l'ulti 39 secondes. Une fois que je l'améliorerai quand je serai level 16, encore moins. On va aller vers les collègues au lieu de dépush. Même si la tour va prendre cher. Vas-y go 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 go. Y'a fils là.
Freeze est là, Darius est là, on peut se le faire en speed. On va voir d'ici. Voilà comment tuer un petit ADC en quelques secondes. On arrête de chase, on va aller buter. Ok. Moi je veux qu'on push là. Push, push, on s'en fout. J'attends pour mettre l'ulti. Ah, oh, ça touche. Putain. Dégage toi. Oh my god. On dépêche les lanes. Ça m'a l'air GG là. On va GG. Et voilà encore un kill. Bon bah GG. GG OLP pour cette game luxe. Luxe pas donc ça faisait longtemps. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Testez ça si vous voyez que vous pouvez one-shotter un ADC facilement. Puis on se retrouve à une prochaine vidéo.